Bonsoir les amis, hein. Il fait nuit, je suis en compagnie de Valentin, un ami, grand fan de Naturotrip. Et comme promis dans le live de lundi dernier, eh bien, nous nous rendons en forêt de Saint-Germain-en-Laye avec pour but eh bien, de passer une nuit en forêt bien sûr. Et Valentin, s'il te plaît, montre-nous ce que tu tiens dans tes mains. Donc là-dedans, c'est une surprise. C'est la surprise, c'est l'objet de la vidéo, ce que nous allons tester. Je vous en dis plus tout à l'heure. Bon, par contre, on n'a rien respecté du tout. La nuit est tombée, le soleil s'est déjà couché. Et on va arriver. Déjà, la nuit tombe plus vite en forêt. Donc, heureusement, on a des lampes torches, mais ça va être la galère. On va devoir installer du matériel qu'on ne connaît pas en pleine nuit. Ça va être intense. Qu'est-ce que tu en penses, Valentin? Ça va être un grand défi. Un défi en français et pas un challenge, comme disent les Américains. Et... On est en France. On est en France. Français. Exactement. Bien, et bien les amis, nous avons fini l'installation des tentes hamac. Voilà l'accessoire dont je vous parlais et dont je vous cachais l'existence. Donc voilà, c'est une campagne Kickstarter. Nous avons attendu un an et demi même peut-être avant de la recevoir, parce que voilà, ils ont complètement revu le design, les fonctionnalités, enfin la totale. Donc ça a mis pas mal de temps, mais voilà. Pour 150 euros d'argent avancé, on a une tente qui en vaut aujourd'hui 350, donc ça valait le coup d'attendre. Je vous présente JB, le frère aîné, le campeur. Donc lui est parti sur une tente verte. En fait, j'avais demandé une bleue, j'ai reçu une verte. Bleu reçu une verte, bon, c'est pas trop grave. Et moi, je suis content parce que pendant justement la production, j'ai pu changer de couleur et prendre la camouflage. Tiens, j'aurais dû m'habiller en camouflage pour l'occasion. Ouais, j'ai hésité aussi. Pour être parfaitement invisible. Donc c'est un premier test, je vous referai peut-être une vidéo parce que voilà, l'enregistrement s'est pas fait sur le timelapse là, c'est dommage. Bon, c'est une tente et ils disent 7 secondes, on a mis un peu plus de temps quand même, un quart d'heure peut-être. Avec l'entraînement, on verra ce que ça donne. Bon bonne je nuit les amis. La rangée, c'est 7 secondes. Ah. Bon, on peut aussi la mettre par terre, enfin je vous referai une vidéo. On peut faire plein de trucs. On peut faire un caouet, on peut faire moustiquaire. On fera une vidéo mieux parce que là on s'y est pris à l'arrache. Ah oui, c'est la nuit la plus courte de l'année. Donc bonne fête, nous on fait une fête, on jeûne la fête de la musique. Et voilà les amis, première nuit à bord de notre cocon. Il n'y a plus qu'à éclore. Comme vous pouvez l'observer, c'est bien stylé. Ici nous sommes en mode moustiquaire. Parfait pour observer les étoiles et la forêt au petit matin. Donc cette tente a plusieurs modes, comme nous l'avons installée actuellement, le mode hamac, tente hamac, on peut aussi la mettre au sol si on ne trouve pas d'arbre. Ou alors, s'en servir de poncho, il y a une capuche et tout, donc voilà, multi-usage. Séquence histoire émotion les amis. Alors nous avons dormi à côté d'un trou d'obus, nous appelons ça un trou de bombe, qui date de la Seconde Guerre mondiale, car ici nous étions en zone occupée et juste à côté il y avait l'ancienne gare de triage utilisée par les Allemands, et donc c'est les Américains qui l'ont bombardée. Donc voilà, les Alliés ont cherché à bombarder la gare de triage, donc la forêt de Saint-Germain-en-Laye est juste à côté d'Achères, là où on habite. C'est assez stylé. Pour faire du vélo aussi dedans, c'est sympa. Donc voilà, il y a des petits trous de bombe, enfin des petits, assez gros, qui datent d'il y a un petit moment quand même. C'est fou, c'est fou.